pensette, bon matin, ça sent l'estomac dans les talons. Que prend-il donc? Que prend-il donc? Qu'il soit normand, qu'il soit lorrain, qu'il soit de Dunkerque ou d'Avignon. Sur un quignon, un bout de saucisson. Sec ou à l'ail, c'est un festin qu'il faut arroser d'un petit canon, d'un verre ballon ou d'un litron. Et le ventre plein, le cœur léger, on se sent gai pour la journée, car le saucisson, c'est sûr, c'est la santé. Ça c'est dur à dire, le saucisson c'est sûr, c'est la santé, c'est terrible. Quand le Britannique s'éveille au petit matin, que lui porte son larvin? Une tasse de thé tronche sans goût, sans parfum, une miette de beurre sur un petit graissin. C'est pour ça qu'il est souvent comme une planche à pain, mais le français est cartésien. Amoureux de la raison, il se gave de sa liaison, ça lui donne du cœur et du poumon. Ce qui lui permet sans effort, avec une voix de stentor, d'entonner ce joyeux refrain bien fort. Un, deux, quand le français de bon matin se sent l'estomac dans les talons, que prend-il donc? Que prend-il donc? Qu'il soit normand, qu'il soit lorrain, qu'il soit de Dunkerque ou d'Avignon. Sur un quignon, un bout de saucisson. C'est quoi l'ail, c'est un festin qu'il faut arroser d'un petit canon, d'un verre ballon ou d'un litron. Et le ventre plein, le cœur léger, on se sent gai pour la journée, car le saucisson c'est sûr, c'est la santé. C'est dur à dire, le saucisson c'est dur. Dès que le soleil paraît au pays des tsars, les Kirghiz et les Tartares, au fond les Isbas préparent le samovar pour le déjeuner de tous leurs moutards. Avec le fameux yaourt on remplit des jarres pour la joie des petits Bulgares. Et les Russes dans leur cuisine, avec la voix de Chaliapine, réclament du caviar sur des tartines. Mais nous les fils des intrépides qui ont conquis les pyramides, nous préférons du lourd et du solide.